La Fondation Grand Cœur pose un acte de taille pour accompagner le gouvernement dans sa politique de planification dans le secteur socio-éducatif. À en croire la secrétaire générale de la dite fondation, Habiba Saoulba Gonchome, l'éducation fait partie intégrante des priorités de son organisation. À travers toutes ses activités au niveau de la santé et au niveau de l'éducation, mais étant une ONG d'utilité publique, nous avons vu l'utilité de signer des partenariats avec le gouvernement qui doit parrainer, chapeauter toutes nos activités. Tout en saluant l'accord entre son département et la Fondation Grand Cœur, le ministre Aboubacar Assédic Thioroma n'a pas manqué de rendre un hommage mérité à la présidente de la Fondation Grand Cœur, Hinda Debi Itno, pour ses œuvres de bienfaisance en faveur de la population. La Fondation Grand Cœur, depuis sa création, a mis l'éducation nationale à la tête de ses activités, de ses priorités. C'est le lieu ici de remercier Madame la Présidente de la Fondation, Madame Hinda Debi Itno, pour tout ce qu'elle fait pour notre secteur. À travers ce partenariat, les deux parties s'accordent à mieux mutualiser leurs efforts en vue de faire face à la question socio-éducative du pays.